Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ravi de vous retrouver mes amis pour parler ensemble d'un nouveau compte en comptabilité financière et qui est plus précisément le compte 11 report à nouveau. Donc mes amis qui avaient exercé ou étudié, pratiqué la comptabilité avant l'entrée en vigueur du SCF, c'est-à-dire avant 2010, vous connaissiez déjà sous le règne du PCN un compte analogue qui s'appelait à l'époque le compte 18 résultat en instance d'affectation. Bien mes amis, combien même il y a matière à comparer entre les deux comptes, c'est-à-dire 18 anciennement et 11 actuellement, il y a quand même quelques différences de taille. Bien entendu, nous allons parler, si vous voulez, de ce compte 11, puisque c'est celui-là que l'on applique, que l'on mouvemente, que l'on débite ou qu'il édite actuellement, pour connaître un petit peu quelques aspects particuliers, notamment en comptabilité et en fiscalité. D'abord, mes amis, posez-vous la question d'où nous provient ce compte 11 report à nouveau. Parfait, mes amis, il nous provient tout simplement du résultat de l'exercice précédent. Parfait. Donc, vous savez, mes amis, selon l'approche par le compte de résultat, vous savez que le résultat est la différence entre les produits et les charges au cours d'un exercice quelconque. Donc, si vous avez réalisé plus de richesses, si vous avez créé plus de richesses que vous n'en avez détruit, là, vous êtes en position bénéficiaire. Par contre, si vous avez consommé plus de richesses que vous n'en avez créé, forcément, là, vous êtes en position déficitaire. Peu importe, mes amis, ce même résultat que vous obtenez dans le compte de résultat, donc 120 bénéfices ou bien 129 pertes, il est systématiquement placé dans la rubrique des capitaux propres au bilan, avec un signe plus si c'est un profit, bénéfice, ou alors avec un signe moins s'il s'agit d'un déficit. Parfait, mes amis. Bien entendu, à la réouverture de l'exercice suivant, mes amis, vous n'avez rien à faire, ce n'est plus le cas quand dans le temps sous le PCN, il fallait virer, si vous voulez, le résultat, c'est-à-dire le bénéfice de l'exercice selon le cas, dans le compte de l'époque, le 18 résultat en instance d'affectation. Là, maintenant, mes amis, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour cela, vous devez attendre l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires selon le cas. Bien entendu, le 12, on va parler du cas du profit qui intervient, si vous voulez, c'est la situation souhaitable, tout le monde voudrait réaliser bien entendu des profits. Et puis pour le cas du déficit, nous le verrons dans un moment, il est beaucoup plus simple parce que un 12 déficitaire, donc il est inscrit au compte, si vous voulez, 129 débiteurs, il sera bien entendu à la décision de l'Assemblée générale viré directement dans le compte 11, bien entendu, toujours en position débitrice. Parfait. Maintenant, si vous voulez, mes amis, si on suppose que nous avons réalisé un profit, un bénéfice, donc nous avons dit le 12 sera affecté. C'est pour cela que l'on parle d'affectation, on parle également de répartition. Donc nous allons affecter notre résultat bénéficiaire de l'année précédente, c'est-à-dire N-1, en fonction des résolutions de l'Assemblée générale, mes amis, d'accord? Donc la répartition des bénéfices constitue l'une des résolutions en quelque sorte importantes en Assemblée générale. Donc voilà, mes amis, le 12 qui était bien entendu bénéficiaire, on va le solder en le débitant par les comptes suivants. Donc quelles sont les affectations possibles d'un résultat bénéficiaire, mes amis, bien entendu, après avoir suivi l'IBS qui est enregistré, bien entendu, au débit du compte 695, bien entendu, à la fin de l'exercice de réalisation de ce profit. Donc, le résultat net qui est toujours ici, nous avons dit, dans le compte 120, bénéfice, quelles sont les affectations possibles, mes amis? Donc, vous avez d'abord les réserves.
Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Comme réserve, nous avons dit, il y a d'abord la réserve légale, donc 5% du bénéfice jusqu'à atteindre 10% du capital social. Vous avez les réserves statutaires qui sont éditées en fonction des dispositions des statuts. Vous avez les réserves facultatives, n'est-ce pas? Donc, il y a un certain nombre de réserves possibles. On doit commencer, bien entendu, par les réserves. Avant, bien entendu, de décider des autres affectations. Et puis, nous avons également, mes amis, les dividendes. Les dividendes sont les parts de bénéfices qui échoient aux associés ou bien aux actionnaires, selon le cas. Vous avez remarqué, mes amis, je dis parfois associés, mais j'estime également nécessaire de parler des actionnaires parce que les types de sociétés ne sont pas les mêmes selon les cas. Nous avons une SARL ou bien une dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, on parle d'associés et bien entendu les titres ici sont des parts sociales. Par contre, lorsque nous sommes dans les sociétés par action ou probablement qui est un autre cas qui est plus rare, c'est le cas des sociétés en commandite par action. Là, mes amis, on parle d'actionnaires et d'actions au lieu d'associés et de parts sociales. Parfait, mes amis. Donc, nous avons dit la deuxième affectation possible, ce sont les dividendes, c'est-à-dire les parts de bénéfices qui reviennent à chaque associé. Et bien entendu, après avoir épuisé ces deux possibilités, donc nous avons dit soit les réserves, soit les résultats à distribuer, en troisième position, vous retrouverez le fameux 11 report à nouveau, mes amis. C'est là le cas de nous dire, puisque nous parlons du compte 11 report à nouveau. Maintenant, mes amis, vous pouvez le laisser, c'est-à-dire un compte 11 créditeur, vous pouvez le laisser là sans craindre en quelque sorte une quelconque régularisation du fisc parce que, souvenez-vous, avant la loi de finances pour 2012, les sociétés de capitaux et assimilées étaient obligées de répartir les sommes logées dans le compte 11 dans un délai maximal de 3 années, au-delà duquel l'administration fiscale était en droit de répartir d'office ses profits, c'est-à-dire ces reports à nouveau qui sont laissés en instance d'affectation depuis plus de 3 ans. Heureusement, mes amis, que le législateur est intervenu par la loi de finances pour 2012 à travers l'article 4, plus précisément, qui a modifié l'article 46 alinéa 8 du Code des impôts directs de manière à supprimer cette disposition qui vous obligeait, nous avons dit, de répartir les sommes logées dans le 11 report à nouveau dans un délai qui ne peut dépasser 3 années. Donc le législateur a sûrement considéré que cette mesure est une immixtion, c'est-à-dire une interférence dans les actes de gestion de la société. Donc voilà, mes amis, ce 11-là, report à nouveau, vous pourrez l'utiliser à l'avenir pour soit résorber des déficits, c'est en quelque sorte des sommes qui sont là, mais qu'on pourrait utiliser pour résorber des déficits futurs. Nous pourrons également les utiliser, mes amis, pour répartir des profits à l'avenir si les bénéfices futurs ne nous le permettent pas. N'est-ce pas qu'on dit aux années de vache grasse, succès les années de vaches maigres. Donc, lorsque nous n'avons pas suffisamment de profit, mes amis, nous pouvons tirer des comptes de report à nouveau des années antérieures, voire même des comptes de réserve que l'on peut distribuer, je pense notamment aux réserves facultatives. Parfait, mes amis, comme nous pouvons naturellement utiliser les sommes dans le inscrit au crédit du 11 pour augmenter le capital social de la société pour lui donner en quelque sorte
une valeur plus confortable, plus crédible, à même de faire face aux besoins de financement de la société, qu'ils soient des besoins de financement courant, qu'ils soient des besoins de financement des investissements, c'est-à-dire des immobilisations, pour augmenter le potentiel de la société à créer de la richesse. Parfait, mes amis, il y a également, si vous voulez, une recommandation, un conseil que je veux donner aux comptables débutants, notamment, n'utilisez pas le compte 11 à tort et à travers. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Le compte 11, donc, vous allez l'utiliser pour affecter le résultat de l'exercice, ce qui est naturel, mais vous pouvez également l'utiliser dans des cas prescrits légalement par le système comptable financier. Je pense notamment pour la correction des erreurs significatives. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Donc, l'article 138 de l'arrêté comptable du ministère des Finances, si vous voulez, prescrit en quelque sorte d'enregistrer l'effet, l'impact des erreurs des exercices antérieurs, lorsque, bien entendu, leur montant est significatif, bien entendu, dans le débit, voire même au crédit du compte 11, report à nouveau. Nous pouvons également utiliser le 11, mes amis, pour le cas des changements de méthode comptable, d'accord? Parce que le changement de méthode comptable, la correction des erreurs significatives, mes amis, il se fait d'une manière rétrospective. C'est-à-dire, on va faire comme si la méthode comptable avait été toujours utilisée et comme si l'erreur éventuellement n'avait pas été commise au cours d'exercices antérieurs. Voilà, mes amis, donc on n'utilise pas le compte 11 à tort et à travers. Voilà les cas de ce des mouvements du compte 11 sont prescrits, sont bien entendu définis par le système comptable financier, répartition du résultat, nous avons dit correction d'erreurs significatives et changement de méthode comptable. D'ailleurs, mes amis, à chaque fois que vous touchez un compte de capitaux propres, il faut absolument avoir l'aval, l'acceptation, le visa de l'Assemblée générale. Bien entendu, on parle ici d'organes dirigeants de l'entreprise parce que il y va, bien entendu, des dividendes des actionnaires, il y va également, bien entendu, du potentiel, nous avons dit, de la société à créer de la richesse. Le capital de la société, mes amis, est une composante très importante dans le bilan de la société. Nous avons déjà dit de par le passé que le capital constitue l'intérêt résiduel des actionnaires dans les actifs de la société après avoir déduit tous les passifs exigibles. Donc voilà, mes amis, cette vidéo d'un peu plus de 12 minutes sur un compte très important de la comptabilité financière qui est le compte 11. Report à nouveau, nous avons essayé de faire le parallèle avec ce qui se passait dans le temps. Donc voilà, nous avons dit 12 puis 11 puis, bien entendu, nous avons des affectations possibles à travers le temps. Donc voilà, mes amis, j'espère vous retrouver à très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, au revoir, mes amis.